Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le pilote de dynamique des fluides qui sert à étudier les pertes d'énergie du fluide par frottement, appelées pertes de charge. Nous verrons ici les pertes de charge linéaires, dues au frottement du fluide sur les parois, puis les pertes de charge singulières, dues à la présence d'un incident, et ce, pour les régimes laminaires et turbulents. Pour cela, le pilote est équipé d'un réservoir de liquide, relié à une pompe centrifuge, d'un système de 3 vannes relié à 3 débitmètres permettant de travailler avec précision dans 3 gammes de débits différents. Il est aussi constitué de canalisations en verre avec différents éléments tels que des coudes d'angle plus ou moins prononcés ou des vannes permettant de réaliser l'étude souhaitée. Pour chaque élément, on trouve en entrée et en sortie une prise de pression reliée à un manomètre différentiel permettant de mesurer les pertes de charge. Pour démarrer l'installation, on met la pompe sous tension, puis on sélectionne l'une des 5 lignes avec laquelle on souhaite travailler en ouvrant la vanne correspondante. Au besoin, les vannes de prise de pression situées juste avant et après l'élément sont ouvertes, et on met sous tension le manomètre. Après stabilisation du signal, on fait le zéro de l'appareil, puis on règle le débit à la valeur souhaitée pour commencer les mesures.